Ce DVD, il y aura que ma face et ma clique. Ok? Donc voilà. Le beginning to the top, you know? It's like that, bro. Non, voilà, donc vous retrouverez moi, ma clique, Pokémon, mes origines, où j'ai grandi, le Kung Fu qui a beaucoup influencé mon break, et voilà, de mes débuts du hip dans la danse jusqu'au haut niveau et la reconnaissance de mon travail. Donc voilà, tout ce qu'il y aura sur ce DVD. Kuba! Ça nique tout, au moins c'est pratique. Ville des casse-béliers, bon bron, tête. Ou quand on arrive, ça nique tout, au moins c'est pratique. Ville des casse-béliers, bon bron, tête. Ou quand on arrive, ça nique tout, au moins c'est pratique. Ville des casse-béliers, bon bron, tête. Ou quand on arrive, ça nique tout, au moins c'est pratique. Ville des casse-béliers, bon bron, tête. C'est la funk, les meilleurs danseurs de France. Ville du Sbel, au casus belli, rap c'est hella. C'est la funk, les meilleurs danseurs de France. Ville du Sbel, au casus belli, rap c'est hella. C'est la funk, les meilleurs danseurs de France. Ville du Sbel, au casus belli, rap c'est hella. C'est la funk, les meilleurs danseurs de France. Ville du Sbel, au casus belli, rap c'est hella. Casus belli rap c'est hella. C'est la funk, les meilleurs danseurs de France. Ville du Sbel, au casus belli rap c'est hella. C'est hella, c'est hella, c'est hella. Destination, là où j'ai grandi, Vaux-en-Velin, 69-120, dans la banlieue lyonnaise. Bon voilà, allez, ciao. Là on est sur Vaux-en-Velin, là où j'ai grandi, là où je vis toujours. Donc voilà, le vaste domaine. Il y a beaucoup de tours qui ont été détruites. Que ce soit dans ce secteur-là ou dans le secteur de l'autre côté là-bas. C'est vrai que c'est pas les grandes banlieues parisiennes où il y a des forêts de tours. Donc moi je suis bien, j'ai pas besoin de vivre dans un barrio. Hein. Moi je suis là, j'ai grandi tranquillement, épairement. Voilà. Tout le secteur là, c'est 22 ans de ma vie.
Vau-en-Velin, c'est là où mes parents sont installés en venant d'Algérie il y a 30 ans, près. Donc c'est là où j'ai grandi, là où j'ai appris à vivre, là où j'ai commencé le sport tel que le kung-fu pendant 12 ans. La danse, et ben c'est tout là, mes premiers spectacles sur la salle en bas. Tout Vau-en-Velin, ça là, c'est là où j'ai grandi, là où tout est parti, tout a commencé. Donc voilà, j'ai quand même une reconnaissance à faire sur cette ville. Même si des fois c'était chaud, tout ça et tout, c'est du blabla. Il y en a qui y a des grands sportifs, des artistes. Donc voilà. Vau-en-Velin, la 12-9-120. C'est le centre culturel communal Charlie Chaplin, alias le 5C. C'est là où j'ai fait mes premiers spectacles, mes premiers pas de danse sur scène, les premières scènes devant un public. Donc, c'était là. Les concerts, les spectacles, c'était payé à coups de jus d'orange.
alias Georges. C'est mon acolyte breaker vaudais. Donc lui, il habite sur Vaux Sud, moi sur Vaux Centre. Et on a commencé le break ensemble sur une salle dans mon quartier où on était 3-4 danseurs, on se réunissait. Donc avec lui, c'est vraiment avec lui que j'ai commencé à breaker, monter le groupe Pokémon avec Yann. Et c'est de là qu'on est parti à s'entraîner, à se déchirer, à regarder des vidéos ensemble, des cassettes qui venaient de Paris, des États-Unis. Donc là, on s'est dit, ouais, autant se mettre à fond sur ça. Et voilà, maintenant ça a payé. Un gugur. Mes débuts dans le break, c'est 97-98. Donc plus 98, il y avait des grands qui s'entraînaient dans une salle à côté de chez moi. Donc j'ai appris assez facilement. Donc coup en un mois, au bout de 6 mois de break, je faisais déjà des enchaînements genre coupole, scorpion, des trucs basiques quoi. Et après d'ici, ben, je suis parti à l'opéra de Lyon. C'est Georges qui m'a amené à l'opéra d'ailleurs. Il m'a dit viens à l'opéra, il y a plein de danseurs de Lyon. Parce que moi j'étais enfermé sur Vanvelin, je voyais que les danseurs de Vanvelin. Donc 3-4. Sur Vaux, sur Lyon, et j'ai vu qu'il y avait au moins 30 gars tous les jours qui s'entraînaient. Donc ensuite je commençais à aller que les... Moi j'étais un gamin, donc j'y allais que les week-ends, samedi, dimanche. J'y allais, je m'entraînais avec eux petit à petit, ça a progressé. Voir d'autres gens, ça fait progresser. Et bah, après je me suis plus intéressé au break et j'ai vu que j'avais des capacités, que je voulais... J'avais une grande motivation, créer plein de mouvements. C'était comme le kung-fu, jamais tu finis de progresser. Même t'as 70 ans, tu trouves des mouvements, tu perfectionnes ton mouvement. Donc j'ai kiffé ce délire et je me suis mis à fond dedans. Voilà.
Maxon, il est pas con. Alors moi c'est Titi. Il y a Yasko. André. Billy. Moi c'est Westgate. Pokémon Crew, c'est ben, comme on dit Pokémon, c'est un nom facile à retenir parce que c'est un nom qui sort du commun, parce que tous les groupes ils avaient des délires, on est des Warriors, les 12 salopards, les, je sais pas, ils avaient des noms qui se prenaient trop sérieux, genre on est des tueurs. Nous on était des pilons à cette époque, on a dit ben, on va monter un groupe comme ça pour représenter Lyon. Et vu qu'à la base on voulait, à la base on a dit Pokémon pour représenter tous les gars de Lyon, on était 150, les Pokémon dans le dessin animé, ils étaient 150. Donc c'était le délire, rattraper-les tous, on était tous différents, des gamins dans notre tête. Donc on a fait un battle à Grenoble, on s'est appelé comme ça, on a vu qu'on a cartonné. Le nom, les gens ils retenaient, oh, Pokémon c'est bien, ça change et tout. Donc on est resté sur ce délire. Et dans les Pokémon, à la base on était plein, maintenant on a réduit l'effectif. Il y a Pokémon, Smokémon, c'est le même crew. On est une vingtaine, si on compte les deux groupes, on est une vingtaine. Et c'est tous les gars de Lyon, plus Rodolphe de Marseille. Et franchement, bah, c'est ma deuxième famille. We got a ham, you know what I'm saying? We got represent, you know, everybody, damn bro! Yo, and what do you think about Pokemon? Ah, Pokemon, that's fucking bullshit, you know what I'm saying? That's on this, that's fake! You know that's fake, you know, no dance, no six steps, you know what I'm saying? No, no, no. I cannot believe that Linus won the busy one, you know what I'm saying? It's fucking fucked up, you know what I'm saying? Ah, kill him more, man! We'll be right back.
shop. Je veux. Portable, je te cherche Blech pour ça. Une PSP. Hey Lou! Et franchement, on s'entend super bien. C'est pas une formation de comme certains groupes qui font un gars de telle ville, un gars de telle ville, un gars de telle ville, ils prennent les meilleurs. Nous, que tu sois super fort ou que tu sois bidon, si t'es mon pote, tu danses avec moi. Il n'y a pas de « ouais, tu dois faire 20 tours 90 avant de danser avec moi ». Tu ne sais même pas faire 90, t'es mon pote, tu sais danser, bah, tu danses avec moi. Tant que t'es Pokémon, c'est une famille, c'est notre délire. On a un délire, nous, comme on dit, Lyon, c'est une planète. On n'est pas comme les autres groupes dans les autres villes. Donc nous, on a notre délire. Certaines fois, les gens ne nous comprennent pas, mais bon. Voilà, Pokémon, la douille et doudouille, 6-9 représente. On est les meilleurs. Le break, maintenant, pour moi, ça représente une grande partie de ma vie. Parce que c'est ce qui m'a permis de voir les quatre coins du monde, cinq continents, permis de voyager, permis de rencontrer plein de personnes, permis de m'exprimer aussi. Donc le break, c'est beaucoup pour moi. Avant, c'était juste un petit loisir, comme quelqu'un qui allait faire du judo ou du foot. Maintenant, c'est devenu mon métier, je gagne ma vie avec ça. Donc ouais, maintenant le break, pour moi, c'est beaucoup de choses. Quand il y a un battle, que ce soit en groupe ou en 1 contre 1 ou 2 contre 2, ma préparation elle est différente. C'est que quand c'est en groupe, j'ai pas 10 passages à faire, j'ai 3-4 passages à faire. We'll be right back.
je modifie mes passages. Je me mets dans l'état d'esprit qu'on est 8, par exemple. Si c'est un battle à 8, on est 8. Je dis, ben, y en a un et c'est un phaseur. Donc son boulot, c'est de faire des phases. L'autre, c'est un passeur. Moi, mon boulot, c'est de rentrer, faire les passes, des phases. Battle de prévu, que ce soit en groupe ou en 1 contre 1 ou en 2 contre 2, la préparation elle n'est pas la même. Là je parle pas la même par rapport au passage à faire. Parce que l'état d'esprit c'est le même, c'est rentrer, défoncer celui qui est en face, partir avec le titre. Après, quand c'est en groupe, j'ai 3-4 passages à faire. Donc, je prends 3-4 passages, j'en fais des gros passages. Et voilà, c'est. Je sais le boulot que j'ai à faire, je sais que mes potes, leur boulot qu'ils ont à faire. Moi, je ne vais pas rentrer m'amuser à faire des phases, même si je sais en faire. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire des phases, alors qu'à côté de moi, il y a un mec, c'est l'un des meilleurs du monde en phase. Sinon, question passage, quand tu vas faire un 1 contre 1, par exemple, quand je vais faire un 1-1, ben, tu sais que tu dois faire 12 ou 15 passages. Donc c'est super chaud. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a plein de danseurs, ils ont 3-4 passages qui douillent, mais après ils n'ont plus rien. Donc à la longue, ils sont morts. Quand c'est en groupe dans Pokémon, chacun a son boulot à faire. Chacun on sait ce qu'on a à faire. Et quand c'est en 1 contre 1, là c'est moi et moi-même.
Alhamdulillah. On se met 2 semaines à la salle, je recommence. Ben, quand c'est une préparation battle group avec Pokémon, ben, on se cale 1 ou 2 semaines à la salle, on bosse nos combinaisons parce que maintenant, de nos jours, un groupe qui n'a pas de combinaison, ben, il n'est pas considéré comme un groupe. Avant, c'était surtout des individualités, il y avait même des poppers dans, ou des lockers dans le groupe. Maintenant, eux, ils ont leur compétition à part. Donc, on doit bosser nos combines et tout ça. Et après, personnellement, ben, chacun a son boulot à faire, chacun sait ce qu'on a à faire. Donc voilà. Juste nos combines à bosser à l'avance. Après, quand on y va, ben, dans le groupe, on a le même esprit. Hein. Rentrer, défoncer tout et rester unis. La question non, le break à la base c'était à la base et ça l'est toujours, c'est un art de rue, donc tu peux faire ce que tu veux du break. Après faut garder le vrai côté du hip hop quoi. L'évolution du break maintenant, franchement, à part depuis les années 80, ça a grave évolué, hein. Tant niveau vestimentaire que niveau danse, ben ça a rien à voir. Maintenant, moi je trouve qu'il faut quand même garder les bases, tout ce qui se faisait au début, tout en le faisant évoluer. Quand je vois des gars, je les vois danser aujourd'hui, excuse-moi, je me crois en 82. Hein. Faut évoluer un peu. Moi je fais des pas de base, les gens ils les faisaient en 79, 80. Après, faut le faire évoluer. Tu commences par ça et tu finis par des mouvements que voilà. Moi je cherche toujours à aller plus loin, pas rester en arrière. Il y en a, ils restent en arrière, ben c'est dommage pour eux.
fait, mon style, il s'est un peu inspiré du Kung Fu, parce que j'ai fait 11 ans de Kung Fu, je suis ceinture noire de Kung Fu. Donc les mouvements, ils sont Kung Fu, ils sont grave recherchés, précis. Comme quand tu vois un film chinois où les combats, il y a des petits déplacements avec les pieds, tout ça et tout, net, boum, 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 1, 2, 3, 4, boum. Ben moi c'est un peu pareil, c'est boum 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 boum, freeze, pareil, je recherche. Toujours le petit truc, le truc qui va contrer l'adversaire aussi. Au Kung Fu, le mec il va te donner un coup de poing, tu sais comment le parer. Ben moi, le mec en face c'est pareil. Moi je suis pas un super gros phaseur, le mec il va me rentrer faire des trucs de fou en phase. Ben moi je vais rentrer, je vais l'amener dans mon jeu. Je vais parer, je vais faire un petit truc là, boum, non, et après je pars dans mon délire. C'est, comme on dit, une parade, quoi. Donc le Kung Fu, c'est, ça m'a grave inspiré dans mon break. Le Kung Fu est un art martial chinois issu de l'étude des techniques d'attaque et de défense des animaux. Et au-delà de ses origines chinoises, le Kung Fu oscille entre art martial et art de vivre. Le Kung Fu, c'est un beau art martial. Il y a des belles techniques. C'est pas comme la boxe. C'est plus dans la tête. Il ne faut pas y aller pour taper. C'est de la concentration. C'est là, le Red Bull BC One, c'est le battle le plus prestigieux en 1 contre 1. Parce qu'il y a un gros prize money, c'est une grosse organisation, c'est une grosse marque. Il y a 16 danseurs sélectionnés des quatre coins du monde pour représenter leur pays, leur groupe. Et franchement, c'est un putain de... une grosse ambiance. Que j'aurais gagné ou que j'aurais perdu, franchement, ça aurait été l'un de mes meilleurs souvenirs, parce que quand t'es dans le cercle, il n'y a que toi et l'adversaire en face, et que t'as tout le monde autour en hauteur qui gueule, ça rend fou. Donc t'as une grosse pression avant de rentrer, et franchement, là, tu te dis que quand t'es dans le cercle, si tu te rates, voilà, il y a tout le monde qui va se la racler sur toi. Lilou. BC One 2005 Battle of the Year, the champ is here. J'ai gagné, alhamdoulilah, en gagnant les
les soi-disant favoris. Moi, j'étais pas parti dans les favoris et j'ai choqué tout le monde en gagnant. Les gens, ils parlaient, ouais, il y a dû avoir des trucs chelous avec les jurys, avec les DJ. Ben, je sais pas, regarder la vidéo, mais pas ça, j'étais propre, carré, et voilà. Cause this next battle is about the spark hailing from Korea. Hailing from France, the man with the ultimate moves, Lilou. Touch fist. Let's get ready to rumble. Thank you.
Donc moi, personnellement, aux autres danseurs, je suis pas genre gros baggy, grosse marque américaine, grosse casquette sur la tête, large, habillé jaune, rouge, vert. Moi, quand je danse, quand je vais dans un battle, c'est comme quand je m'habille, quand je vis ma vie de tous les jours. Donc voilà, c'est petit survêt, petite casquette. Après, voilà, maintenant, moi, je me suis approprié le style de l'écharpe, qui est écharpe arabe, écharpe, on va dire, palestinienne, saoudienne. Donc, voilà, il y a plusieurs noms, ça s'appelle un keffieh. Donc moi, je mets ça pour bien montrer que je suis un arabe, parce que voilà, on a, que ça soit aux Jeux Olympiques, tout ça, on n'a pas je parle d'Algérie ou des autres bleds, voilà quoi. On n'a pas l'occasion de montrer qu'on est fort ou quoi, donc moi voilà, je suis arrivé à un haut niveau, donc voilà, je porte ça pour représenter les blédards, représenter tous les arabes, donc voilà. Non, voilà, moi j'ai l'occasion de, voilà, le break, c'est, moi j'ai mon style. Le break, c'est pas comme au foot, tu dois avoir le short réglementaire, les crampons, les tibias. C'est toi et ton style, tu t'habilles comme tu veux. Si t'as envie de mettre un cycliste à ras les fesses, mets-le. Voilà, et on va pas te sanctionner. Après, c'est toi et ton image, si tu veux te péter la honte, vas-y, tu vois. Il y en a aujourd'hui, ils arrivent en battle, ils ont une crête verte, ils ont du maquillage, un hameçon là, une veste de rocker tout en cuir avec des pics. Ouais, je n'ai pas des punks, hein, c'est du break. Je sais pas si eux, ils ont grandi comme ça. Ça, c'est pas vrai, ils suivent la mode, ces gens. Moi, je reste le même, pareil. Petite basket, petit survêt, petite casquette. Et c'est parti, on va couper des têtes. Voilà, c'est tout. Moi, mon style, il est indéfinissable. J'ai un style, même moi, on m'a posé plusieurs fois cette question. Comment tu décris ton style? Je sais pas, je peux pas décrire. Un jour, tu vas me voir arriver, je vais faire grave des passes. Un autre jour, je vais faire que de la technique. On va dire que c'est un mélange de base, de technique, de frise souplesse, de recherche. Dans mon style, il y a beaucoup de recherche quand même. Donc, moi, j'ai... Un des juniors, il m'appelle le psychopathe du break, parce qu'à chaque fois que je suis à la salle, je cherche à aller plus loin. Dès que j'ai un mouvement, je cherche direct 3-4 solutions après. Par exemple, tenir là, je cherche direct à aller plus loin. Thank you.
الجزائر تاعي البلاد جزائر 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 تفهموا كيفاش نقولوا
vrai que ça vient des quartiers à la base. Donc là, je vais vous montrer que grâce à ça, quand on a la volonté et qu'on se déchire, eh ben, on peut voyager. Et je pense que sans le break, j'aurais pas voyagé autant, pas vu autant de pays. Donc voilà. Kiffez bien, ciao. Plaisir.
We'll be right back.